Bonjour à tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Assassin's Creed Odyssey. Et on se retrouve ici non, pas à Sparte, hein, à Athènes, pour justement aider notre chère équipe de petits rebelles athéniens, on va dire, pour essayer de faire tomber Cléon, qui du coup, si je me trompe pas, c'est un membre du culte. Voilà, Cléon. C'est un membre du cosmos ou du culte. Donc, on va aller voir Aristophane. Alors, fais attention parce qu'il y a un mercenaire niveau 41 juste là. Bonjour, messieurs. Alors, est-ce que je peux améliorer la lance ou pas? Parce que normalement, j'ai combien de. Niveau 4, d'accord. Mais comment est-ce que je savais où j'avais les morceaux? Inventaire, peut-être? Non. Putain. Oh putain! Le joystick de merde. D'accord. Quand même, parce que bon, chasseur, je préfère ne pas être chasseur. Voilà, chasseur, pareil. Alors, normalement, où est-ce que je vois l'inventaire? Ah, peut-être là. J'en ai combien? 7. Bah normalement je peux alors l'améliorer. Alors c'est où du coup? C'est là non? Forge ancienne. Ouais c'est là. On va améliorer la lance parce que comme ça on pourra améliorer toutes les aptitudes qu'on a. Bon, alors, ça fait plusieurs épisodes que je dis qu'on arrive à la fin du jeu, mais... Ah bah ça. Mais normalement, Cléon, ma sœur... Enfin, j'ai envie de dire, on a déjà, soi-disant, libéré Sparte, on va dire. Là, maintenant, il reste... bah du coup... Ma sœur, Deimos, du coup. Mais, enfin, la question c'est que... Il reste encore quelqu'un. Il reste encore 1, 2, 3, 4, 5. Et lui, là. Le fantôme du cosmos qui est... Ah, c'est vraiment le boss, quoi. Donc bon. Après, même si j'ai fini l'histoire du jeu, on essaiera de traquer tous les sages. Tout en essayant de ne pas... se spoiler tout seul en regardant sur Internet qui sont les sages. Parce que... On peut avoir des surprises, hein. Oh non. Me dis pas que je suis venu pour rien. Non, 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 non. Quand même. Alors. Ah, c'est neuf. Eh bah, je suis venu pour rien. Oh putain. Merci. Bon, bah du coup, il reste deux fragments d'artefacts. Alors, j'enregistre ou je fais le con? J'enregistre. Là, j'ai mis le pull parce qu'il commence à faire froid. Hein. C'est cette fameuse période dans l'année dans laquelle il fait froid, mais on met pas encore le chauffage parce que ce n'est pas l'hiver. Donc, c'est très chiant. Et en plus, ces journées où tu commences très tôt, t'as froid. Mais quand tu repars du travail et qu'il fait beau, bah il fait chaud. Parce qu'il y a le soleil qui tape très fort et toi t'es avec un gros manteau comme ça. Ok.
Donc, c'est par là. Ah, ça fait mal au ventre quand je vois ça. Hop. Aïe. Très réaliste comme toujours. Enfin, comme toujours, il y a certains qui sont très réalistes. Hein. Et ça, c'est censé faire quelque chose. Aïe. Ça me fait toujours ça au ventre, c'est trop drôle. Bonjour. Alors, c'est moi où le jeu il lag un peu. 5% de CPU, mais pourquoi il utilise autant? Attends. Ça fait pas autant ça, mais. J'ai envie de dire, ça fait ça quand il fait chaud, mais là il fait tout sauf chaud. Donc je sais pas. Ah bah c'était l'intérieur. C'est ce que je me disais. Someone who's willing to have some fun. I'm sure you'll get through it. Perhaps you. Ah oui, non, j'ai pas le temps de faire crac crac là. Oh, non, c'est bon. Non, c'est bon, ouais. J'ai pas le temps là. Désolé, plus tard. Hein. It'll be a disaster. A disaster, I tell you. Calm down. What are you talking about? My masterpiece! It will change everything. Amuse, astound, titillate, and open people's eyes to Cleon's imagination. Titillate. Ah, c'est drôle ça. Titiller. En anglais, c'est titillate. I'm no actor or poet, Aristophanes. By the gods, no! It's Thespis. My leading man is missing. A play with no star is no play at all. How do you know he's missing? He never misses a rehearsal, unless he's drunk, or with a woman, or a man. Anything, then. No, he knows how important this is. He wouldn't let me down. Something must be wrong. You could just get another... Oh, no! Thespis always draws a huge crowd for his performances. Est-ce que c'est un vrai acteur? The more people experience my blistering indictment of Cleon, the better. Okay. So where would I find him? Thespis usually doesn't go far from his home. You'd best start there. This shouldn't take long. Prepare the show, and I'll be back as soon as I find him. Ah oui, Thespis est un dramaturge grec du 6e siècle avant Jésus-Christ. Mais c'est pas les mêmes dates là, c'est pas vraiment les mêmes dates là. Ou si, je sais pas, attends. Il est considéré comme le père du théâtre et le premier acteur de l'histoire. Ah, et c'est le premier, et c'est le gagnant du premier concours de tragédie pendant les Dionysiaques. Ah, je me rappelle les Dionysiaques, il y avait un acteur qui les gagnait tout le temps. Et je me rappelle que quand je révisais le Capes, parce qu'en Capes on avait l'histoire ancienne, bah, on avait, mon ami et moi, on avait fait des fiches avec les personnages. Oh, tais-toi, j'arrive pas à parler. Il y avait, on avait fait des fiches avec des personnages avec des associations d'images, comme ça on pouvait bien se rappeler d'eux. Et il y avait un acteur qui avait gagné, je ne sais pas combien, le concours des Dionysiaques. Et en fait, on avait mis Rafael Nadal à côté, parce que Rafael Nadal, il gagne, enfin à ce moment-là, il avait gagné, il avait gagné à ce moment-là en 2019, il a gagné 12. 12 Roland Garros, donc en gros il gagnait beaucoup. Mais il faudrait que je retrouve qui était cet acteur. Attendez, mon âme d'historien. Attends. Guerra del
Péloponnèse, guerre du Péloponnèse. Ouais, c'est ça, c'est le 5e siècle. Ça, c'est le 6e siècle, donc c'est pas le même siècle. Après, peut-être ils sont inspirés de le vrai Thespis pour ça. Ok, donc on va aller chercher notre cher Thespis. Allez, on y va. Prison. Très réaliste comme cheval. Le cheval, c'est génial. Volé depuis le cheval. Et ça rame un petit peu, hein. Ok. Ok, et comment je sais qu'il est à la taverne? J'arrive à lui dire, ah bah non, il est à la taverne. Pourquoi? Comment? Depuis quand? Ok. Bon, bah elle est à la taverne, hein, je suppose. Hop. I think he's had enough. Bonjour. And what business is it of yours, friend? Yeah, what's business? Oh, look at you. You'd best be leaving. I'm just here for Thespis. He's drunk and I need to get him home. What are you, his mother? Let's say extended family. This is his mother and my père. Commander Ruxenor's orders are he's not to leave. I said I'd stay. Don't want trouble. If you don't want to leave with your head stuffed up your asses, you'll go now. We'll be seeing you, Mystios. The commander's not a man to be messed with. D'accord. Bon, mais pas besoin de... Ok. I's not feeling too good. Hey. C'était quoi, ça? Il s'est fait dire bonjour. Allez. Viens ici, mon petit. C'est quoi cette musique? Alors, j'ai besoin d'un pont, quelque chose, pour pouvoir passer de l'autre côté. Voilà, comme celui-là. C'est quoi cette musique? Enfin, à part si c'était une, c'était vraiment un moment d'inquiétude ou de stress ou de suspense, mais là... Qu'est-ce que... Told him Cleon will kill us all. It's more assaults than satire. Thank you, but you can go no further. For I know true love. I just need you ready to perform tomorrow. Of course, and I just need my muse. My love, I can't. I won't perform without her.
You will perform. Not without a Caterini. A divine name for a divine body. I mean being. Those men in the tavern. Oh, the admirers? Harmless, really. And I do like a man in uniform. You need to sober up. This play is important. Soze Caterini. I need my muse. Please. She's just west of here at the house of Aphrodite. Comme par hasard, Aphrodite. I'll find your muse. Bonjour. 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 Going to enjoy this. I'll mess that pretty face right up. Can't we come to some arrangement here? I'd never make an arrangement with you. You're wasting my time. You need to die! Allez. I promise you this will hurt. Ça fait tellement rire quand ils prennent des armes. Allez, voilà. Ok, alors, non, reste là. Alors, du coup, je vais payer le... Voilà. Ouais. Comment est-ce que tu m'as vu? Ah, mais du coup, il faut aller... Mais il faut aller Ouais voilà, la muse musarde. Reste là. Alors, du coup, où est-ce qu'il faut y aller? C'est quoi ça? La demeure d'Hermip. Bonjour. Au revoir. Vous ne m'avez pas vu. Vous ne me connaissez pas. Je n'existe pas. Putain, je passe de zone restreinte à zone restreinte. Ça, c'est la prison si je me trompe pas. Ok. Ouais, c'est une prostituée. Enfin, je pense. Not my usual type.
too many muscles. But if you've got a drachmi, we can come to an arrangement. Thespis said I'd find you here. Ah, my darling Thespis, an artist in so many ways. But let's talk about us. You don't understand. I need your help. So many do. These hands have helped more people than Hippocrates. Oh, Thespis told me to find you. Well, I'm not giving discounts to his friends, if that's what you're thinking. No. Thespis wants you to go to him. He needs you to help him perform tomorrow. Thespis does love to perform, but he'll be doing it without me this time. But you're his muse? Commander Exenor has made it clear. It would cost me my life if I were to associate. Putain, mais ils sont tous au courant de tout ce qu'ils veulent faire. I've been hearing about this Commander Exenor a lot recently. He's one of Cleon's favorite dogs. I've heard stories from some of the girls. Likes to play dress up, got a fancy robe and mask. Likes to hurt people too. I'm sorry. He runs the local garrison. His men are always here. Why would this come? It's all to do with his stupid play. They're doing everything they can to protect Cleon's image. Still, to threaten you. Actors are a superstitious bunch. Commander Exenor knows Thespis won't perform without his muse waiting in the wings. Don't worry. You don't understand what a bastard he is. He's more than just some Athenian soldier. What do you mean? Thank you. Secret meetings, strange visitors. He gives me the creeps. You'll have to kill him. There's no other option. Voilà, parce que... Will you go to Thespis? It'd be my pleasure. Where can I find the commander? In the barracks across the street to the north. The girls have to visit him there when he wants servicing. Doesn't have the stamina to come down. Can you describe him? He wears one of those big stupid helms. Makes up for other areas. Don't worry. Bring me back his little sword as proof. I'll be back soon. Let no man be called happy before his death. Ah ouais. Till then, he's not happy. Only lucky. D'un résultat de vote de départ en guerre inattendu à la mort d'un politicien infléchi dans la rue, les atteintes du culte à la démocratie devinrent bientôt patentes et redoutées de tous. Mais ceci n'était que des cicatrices, la lame qu'il créait avait pour nom Rexenor. Malgré toute la résilience des Athéniens, sa main parvenait subtilement à les guider vers la guerre et le service de la volonté de Cosmos. Ok, donc c'est lui. C'est ça ? Ouais, c'est ça. Rexenor. La main. Ok. Donc il est où ? Il est là. Best stay out of sight. J'ai déjà été là, je pense. Ça c'est autre chose, ça c'est le temple. Ouais, ça c'est autre chose. Allez. Oula, 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 oula.
Encore un monté. Voilà. Boum. Boum pas la boum. Aïe. Parfait. Merde, merde, merde. Putain, fais-le! Merci. Oh putain. Merde. Putain, saute! Oh non, 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 mercenaire. Oh non, il est mercenaire. J'ai entendu quelqu'un parler. Oh non. Parfait. Ok, parfait. Ok, je m'en vais. Ok, parfait. Donc maintenant, on attend. Comme Jonathan. Pardon. Putain, il y a trois mercenaires. Hein. Trois mercenaires. Allez, descendez. Allez, parfait. Attends, quoi, il est pas mort ? Ah merci. Voilà. Je m'occupais d'eux hein. Parfait. 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 Haha.
Parfait. Oh putain. Ok, parfait. Voilà. Donc, est-ce qu'ici il y a quelque chose ou pas? Est-ce que ça, je l'ai déjà fait ou pas? Non, normalement, oui. Ah oui, c'est bon, ça, je l'ai fait. Et du coup, ça... L'arsenal aussi. Ouais, c'est pour ça qu'ils apparaissent pas. Parce que je les ai déjà fait. Zenobia la menthe. Oula putain sa mère. Voilà, parfait. Ok, donc, du coup, je vais payer la rançon, ou les primes, comme ils appellent, les primes, voilà. Voilà, comme ça, on me poursuit plus. Est-ce que du coup je peux faire ça? Non. Ok. Au moment où je vais sortir, vous allez voir qu'il va sortir par où j'étais rentré. Vous allez voir. En plus, juste au niveau du buisson. Ouais, du coup, je vais faire ça. Voilà. Parfait. Allez. J'ai terminé ici. C'est bon. Is this proof enough of his death? Not quite the sword I meant. But D'accord. OK, t'es un peu sadique hein. My part is done. Go make sure Thespis is at the theater in time for his performance. You are too tense. Come here and lie a while. We've time to have a little fun. Or is it always business with you? What is it with you? There is more at stake here than a few moments of pleasure. Only a few? You don't rate yourself highly in love then. This play could help decide the fate of Athens. I need you to keep your word and go to Thespis. Do not worry. I will see you at the play with Thespis. Ah, elle voulait faire crac crac avec moi. Si vous voyez ce que je veux dire. Bon, vous savez, ça va être plus rapide de faire ça, quand même.
Parfaitement. Waouh. Si ça, ce n'est pas réaliste. Coucou. Pauvre monsieur, désolé. Ah bah je suppose que ça s'appelle une Dionysiaque parce que l'épisode de théâtre avait lieu dans le théâtre de Dionysios. Je suppose. Please tell me you have news of Thespis. Yes. And he'll be fit to perform your play tomorrow. Oh, thank the gods. I know what actors can be like. Compared to what I'm used to, it was a breath of fresh air. That is so good to hear. Here, for your troubles. The people may be the heart of Athens, but my play will be its voice. J'ai hâte de voir ça. Oh, happy day for us and for our children if Cleon should perish. You also know what a pig's education he has had. Such insults! And to think I was going to propose a statue to be erected in the city to each of you for your bravery! See! He treats us like old daughters and crows at our feet to deceive us. But the cunning wherein his power lies shall this time recoil on himself. Ah, alas! The conspirators are murdering me! Il est pas très content. Dans 546 pour tout ça, mais putain, t'es un radin. Et 41. Oh. D'accord. Vas-y, cours! Putain, attends, t'es sérieux? Oh là là, mais... Waouh, une personne qui court! Bon, comme je sens que je vais être en surpoids pendant les missions qui vont venir, parce que je vais prendre plein d'armes, etc., sans faire exprès, je vais quand même vendre tout ce que je peux, enfin tout ce que je peux, tout ce que je peux, non, parce que c'est un peu long, mais quand même, maintenant qu'on y est, c'est le genre d'endroit que quand tu veux les trouver, tu les trouves jamais, mais après... Ok. Allez, salut!
Bonjour. C'est la demeure de Périclès. Ok. So, what's next? The play was a great success, as I knew it would be. With that and the proof you presented at the Phoenix, Cleon has lost much of his popularity. Now he heads to Amphipolis in an effort to redeem himself. Alexios, Brasidas sent me to find you. He's alive and well. Where is he now? Amphipolis. They're preparing for battle. If you reach him before I do, tell him I'm on the way. So what are you going to do? Est-ce que je vais tuer Cléon ou est-ce que je vais aider Brasidas? Si je vais aider Brasidas, peut-être il va mourir. Donc, ils ont demandé d'attaquer Amphipolis, c'est Cléon qui a demandé. Donc, si je tue Cléon, je suppose que... Bon, allez. Cléon dies now. This is our chance. The plan is already working. Death should be brought early, even to someone like Cléon. Ah. He's exactly the type death should come early to. Not all who live... And you decide who deserves it? This time, I do. Then, safe travels. Putain, 27 000 que pour ça. Ah bah. Bah attends, je comprends pas. Il y a écrit tuer Cléon et là d'un coup c'est. Je comprends pas. Bon, bref, c'est pas grave. D'accord, il est où sinon? Est-ce qu'il n'est pas là? Oh, Dieu merci. J'aurais un peu la flemme, j'avoue. Mais bon, on serait quand même allé, mais j'aurais un peu la flemme. Et toi t'es qui? Bah tu es qui toi? Ouais d'accord, passons. Alors je suppose que ça fait partie des missions là de Macédoine. Donc bon on va profiter hein. On va pas dire non. Allez. Allez. Merde. Je vais essayer de l'assommer. Ah non. Ah ah! Bon, il a disparu. Ok.
Bonjour. Ah non, je pensais que t'étais un ennemi à tuer. Alors, Brasidas. Alors, en fait, ce que je comprends pas, c'est que... Est-ce que je tue Cléon ou est-ce que je vais aider Brasidas? Bah, dans tous les cas, j'aide Brasidas parce que je... Je sais pas, j'ai pas compris. Oh là. Oula. Il a l'air... We have bigger problems right now. After Pylos, what happened? The remaining Spartans found me and gave me time to recover. So I did. But your leg? You disappeared from battle. I was captured. Taken to Athens for an interrogation with Deimos and Cleon. They didn't kill you? They tried. So Cleon's in Amphipolis? Somewhere. And in armor I hear. He'll fight for his life today. He wants to be the hero. Athenians can't think much of him after what he did. This is our chance, Brasidas. We kill Cleon today. If you don't, then I will. There's something you're not telling me. What? I am here for Cleon. Let's keep it at that. I thought we were friends. You're not who I thought you were. You were raised Spartan. You should know how to be loyal. I came here, didn't I? We're fighting the same fight. Qu'est-ce qui lui arrive? You haven't proven that. Let me prove it now. We're wasting time. Athens is gathering reinforcements. We need to attack now. Let's go. Malaka. Mais qu'est-ce qui lui arrive à celui-là? Attends, mais on a combattu ensemble plusieurs fois. Bonjour. Bonjour. Le chien. Putain, le chien. Désolé, le chien. Oh putain la lance! Mais qu'elle fait combien de mètres cette lance? 10 015? 10 015, c'est quoi? C'est quoi ce chiffre au hasard? 10 015. Oh putain. Allô? Nyom. OK. Attends, bataille de conquête disponible pour Attends, bataille de conquête disponible pour ici là? De quoi il parle? Ouais, il y a ça. Il y a ça. Il y a rien d'autre.
Coco. Oh putain. J'allais dire les pauvres, mais... Est-ce qu'ils auraient la pitié pour moi? De la pitié pour moi. Allez, on y va. Ouh là là. Est-ce que je peux tirer des flèches comme ça? Nion. Bataille de conquête, je suppose. Ouais, c'est ça. Coucou, messieurs. Voilà. Oula. Une animation un peu longue à mon goût. Eh hey, mais bouge. Capitaine, capitaine, capitaine. Il est où le capitaine? Là-bas. Oh putain. Normalement, dans les batailles de conquête, je meurs jamais. Les boucliers étaient faits de bronze et de cuir. Ok. Alors, je suppose que la bataille de conquête, c'est pour Sparte. Coucou monsieur. Voilà, parfait. Voilà, parfait. Ok, deuxième. Putain, cette attaque elle est vraiment trop forte. J'adore. Voilà, allez, allez. Whoops. Laissez-moi passer, merci beaucoup. Non. Wow. Laissez-moi passer. Parfait. Non, putain, c'était pas lui. Qu'est-ce qui s'est passé?
qui s'est passé? Non, c'est... non. Parce qu'à un moment, quand tu sors, ouais, ils te disent tu es sorti, nanana. Oh putain, encore elle? Oh non, Brasidas. Non, Brasidas, putain. Non. Mais qu'est-ce qu'il est con? Attends, quoi? Attends, mais Cléon, tu peux pas être aussi con quand même. Allez, Alexios, crois un peu plus vite, s'il te plaît. Wow. You did this, Cleon. You have only yourself to blame. Tu sais quoi, je vais te faire brûler vivant. Allez, brûle. Voilà. Alexios, come now. Show mercy. You turned her against us. My own sister. We lifted Themos up. We made her great, unstoppable. You made her a monster. Then fight by her side. Teacher, you would have Themos once again. Her name is Cassandra. I beg you, this world is severed, Alexios, and we'll unite it. Shut the fuck up! My hands are empty. Have pity. You will die, just as you lived. As a coward. I'm not through. I won't be forgotten for all I've done. You're not worth the memory. That's it then. Mirini will want to know Cleon is dead. And Brasidas. I should have gotten to Themos sooner. I'm sorry, my friend. Ok. 40 000. 45 000, ok. Ça m'a laissé un peu... Ouais, j'ai rien dit pendant toute la... Est-ce que du coup, Brasida, c'est par là? Non. Ok. Du coup, on sait pas où est ma sœur. Et Brasidas est mort. Super.
Ok, ça a été fort en émotion, ça. Ok. Donc, ma mère, elle est là-bas. Got to be careful not to get spotted. Pitana. Ah mais là je peux aller Ouais non mais là je suis un peu quand même près de... Alors ce serait bien de retrouver quelque chose de plus proche pour synchroniser, pour pouvoir arriver plus facilement et pas devoir être dans le temple d'Athéna à chaque fois. Ça serait bien. Yalla, yalla. Ella. Allez, cours. My lamb, you've been gone so long. Brasidas is dead. No. Vimos killed him in battle. And what of my daughter? Cleon fired an arrow into Vimos's back. The wound didn't look fatal. She could still be alive. Malakas, Cleon. I'll kill him with my bare hands. It's done, Mater. I already sent that snake to the Styx. My family. You're all I have left. Mother, there's something I need to do. I need to go to Mount Taygetos, where it all began. My whole life's been spent fighting and running. Running from my past, fighting to forget. I can't do this anymore. My heart was shattered on that mountain. I need to put that night behind me, once and for all. I'm coming with you. Allez.
This is where everything changed. It's like I never left. Cassandra. Cassandra. On the edge of the world, a mother calls out to her child. Touching. Cassandra, please. You use that name as if it means something to me. It's the name your father and I gave you. Was that before or after you brought me to this mountain to die? It was the cult. I tried to save you. I did everything. The priest told me you were dead. And they told me you abandoned your daughter. Bah oui. Cassandra, come to me. We are your family. We can go home. Family. Home. My sword is my family. The battlefield. On dirait Guts de Berserk. I promised to bring her back, Mater. But the cult has poisoned her mind. Promise to bring me back to Mater, did you? You didn't bring me here. Why don't you tell our mother the truth? And what truth is that? That I'm the chosen one. I'm the one with a destiny. I will bring order to this world. You're nothing but a mercenary with a broken spear. You don't have a destiny. You're just a tool used by the cult. I'm glad you said that. Since we first met, I've been trying to figure out what you are to me. Ton frère. You're a weed, trying to choke and destroy everything I've planted. And you know the best way to kill a weed? Cortar la raíz. Je sais pas comment dire en français. Is at the root. La déraciner, voilà, c'est ça. When I was little, I found a lion cub trapped in a snare. My friend tried to free it. That's when I heard the deadly its mother. I watched as the lioness tore my friend to bloody shreds. Even in a world of beasts, a family protects its young. I loved you. I still love you. The one you love is dead, and my destiny is clear. I won't let you get in my way. Cassandra, listen to me. You're my sister. I tried to protect you once, and I failed. I won't fail again. Ouais, et du coup, ça va faire quoi? Je vais me battre contre ma propre sœur? Enfin, pour la troisième fois, du coup. Ah, ma mère est partie. Ok, c'est bon signe. Ah, t'es là.
Putain. Oh, j'ai... Ouais. La lance qui lévite derrière le dos d'Alexios. Complètement. Épilogue, non, quelque chose. Attends, c'est tout? La télé des Phaistios, située au nord-ouest de la crique de Pandore, en Malice, propose un service unique. Allez-y pour découvrir les nouveaux échelons de gravure. Dans les profondeurs de cet étrange lieu de réunion, lors de cette nuit étrange, Alexios s'est trouvé nez à nez avec sa sœur perdue. Le fantôme ment. Ah bon? Votre enfant de la lignée est revenu d'entre les morts. Va l'avoir agi comme nous te l'avons montré. Inflige-lui la douleur, mais surtout pas la mort. C'est à Cosmos et à lui seul de décider la mort d'un membre de la lignée. Tu risques de l'objet de manipulation. Ah putain, c'est pas ce que je voulais faire. Mythylène. En fait, c'est comme Palpatine, en fait. Dans Star Wars, il a poussé les deux côtés. D'accord, en fait, il contrôlait la guerre des deux côtés. Ok, bah du coup je dois traquer les autres sages. Attends, niveau 49. Waouh. Ok, d'accord. Donc c'est bon. Ah, Dina Sparte. Entrée dans la maison d'enfance.
Sometimes the face we show to the world needs to be one of strength, despite the chaos we harbor beneath. There's more to being the best than pure strength. That's an excuse for the weak. I'll show you who's weak. Well, at least the family is all together. I'll get more wine. Mission accomplie, 50 000 points. Well, that wasn't so bad, was it? I can't believe I have a family again. The gods work in mysterious ways. You never know what they have planned. I don't think the gods can take credit for this one, Barnabas. An urn is only as strong as its potter, Alexios. Urns are pretty easy to break. Just remember, no matter who surrounds you, I'll be there. And the others are waiting for us on the ship. Right behind you. Ah, attends, ça veut dire que le mode nouvelle partie plus ce mode permet de redémarrer le jeu en conservant la santé de votre progression. Mettez au niveau aptitude armes et équipement ainsi que vos améliorations de navire seront reprises lors de cette nouvelle partie. Ouais, c'est quoi la différence en fait? Je comprends pas la différence. Ok, donc, question. Est-ce que du coup... Ah ouais, c'est ça. Ah, c'est drôle. Améliorer la coque. Athlète grec, hein, pas très habillé. Désolé. Ça me ferait en fait avoir des filles pas très habillées qui combattent sur un bateau. Alors là du coup, normalement, on peut du coup... Oh là là. On peut améliorer la lance. Normalement. Oh. Ok. Waouh, l'étoile d'araignée qui bouge pas. Waouh.
47 000. Bah non. Putain, mais comment ça 22? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ah bah oui, 22, c'est ça. Alors, aptitude. Parfait. Ok. Bah écoutez, on va sauvegarder maintenant. Ça c'est quoi du coup? Ah, je suppose que c'est la difficulté. Alors, le mode 1 permet de redémarrer le jeu concernant votre matériel. Vous faites sauvegarder sur votre texte sans vous avez pas de nouveau fichier. C'est vous qui devez sauvegarder le jeu. Ok, bon. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour continuer les quêtes, apparemment, tout en essayant de détruire complètement le culte et du coup de dévoiler le fantôme, le soi-disant fantôme. Donc, en soi, l'histoire principale du jeu, je suppose, est terminée, même si moi, tant que je ne vois pas les crédits, pour moi, le jeu n'est pas terminé. Voilà, donc normalement... Alors, l'histoire principale, je l'ai terminée, mais en tout cas, le jeu, apparemment, je ne l'ai pas encore terminé. Je ne sais pas s'il faut attendre de vaincre le fantôme pour avoir les crédits, je ne sais pas. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour la fin, je ne sais pas. Non, je pense qu'il reste encore quelques épisodes jusqu'à ce qu'on puisse dévoiler le fantôme. Je vais me renseigner de comment à peu près traquer certains sages. En tout cas, les petits, enfin les petits, pas les sages, mais ceux, les autres adeptes, voilà, les adeptes. Voilà, on voit tout ça la semaine prochaine, d'accord? Allez, je vous souhaite une bonne semaine, et puis bon, on se voit la semaine prochaine. Ciao!